c'est important de mettre la taille en valeur. Ou si tu ne le mets pas en valeur, d'avoir vraiment quelque chose puis tu l'assumes. Si tu le portes bien, tu l'assumes, tu es confiante. Automatiquement, je pense qu'il se dégage quelque chose. Je connais les coupes qui me font bien, taille haute un peu, taille cintrée. Mais j'aime pas magasiner plus qu'il faut, donc quand je magasine, c'est une journée ou deux entières à magasiner, puis je fais pour la saison. Il faut rester dans nos grandeurs. Chaque marché a sa grandeur. Donc, quand tu es taille plus, ça peut aller maintenant, bon, taille plus, entre du 8 et du 16-18. C'est un peu plus vague que peut-être les mannequins régulières qui restent dans un range qui est plus petit. Mais je mange bien. Je veux dire, j'aime la bonne bouffe, mais je suis comme n'importe qui. J'essaie de garder la shape que j'ai, la forme que j'ai. Je crois que c'est bien d'avoir différents corps de mannequins. Je veux pas que tout le monde devienne du taille 14, juste pour que toutes les femmes puissent se reconnaître. Pas juste vouloir être une certaine femme que peut-être elles sont pas. Même les designers commencent à faire le saut, puis à aller aussi, pas juste montrer le côté commercial de la taille plus, mais aussi le côté glam.